Je veux de l'ombre pour mes vaches quand elles sont en pâturage tournant, parce que j'ai des parcelles où il n'y a pas d'ombre du tout en plein été, quoi. Et il y a une réflexion, et ça a été de laisser les revenir naturellement, donc de mettre des bouts de parcelles en défend avec double fil, un fil électrique pour les vaches, un fil barbelé pour les pigrièches, et puis pour protéger aussi pour les animaux. Et de laisser repousser des ronces, de laisser revenir la faune, la flore. J'ai implanté quelques sureaux en replantant au printemps des sureaux en les taillant. Toutes les vieilles bottes de foin sont passées dans ces bords de haies, les plaquettes, de la vieille paille et tout. Et ça commence à faire son effet, quoi. Il y a peut-être pas trop ça fait que 2 ans, donc ce que j'ai planté, ça pousse ou ça pousse pas, mais ça m'a pas coûté cher parce que c'est juste des plants repris dans les haies où c'est repiqué. Donc il n'y a pas de. Ça ne me coûte pas cher pour l'instant. Alors nous, on a 7 km de haies, mais autour, c'était un peu désert. Ben, Donc c'est on a ça. déjà rebordé tout ce qui était par rapport aux voisins. Donc pour dire Vous trouvez qu'il y avait des endroits où Il ça y avait des manquait, endroits ça où ça, manquait, donc voilà, des endroits où les vents sont dominants pour protéger les les animaux, pour leur animaux, faire de l'ombre et tout ça. voilà, Il y a des et... endroits où il n'y avait pas de haies, qu'on s'est dit, là, ça serait bien d'en mettre une supplémentaire. Ouais. C'est juste pour l'effet brise-vent, pour la conservation des sols, pour éviter le lessivage, à des endroits stratégiques, quoi. C'est pas juste pour planter des haies pour faire joli dans le paysage. Même si faire joli dans le paysage, C'est important. pour nous, est très important. La raison première, c'est la beauté. Enfin, je trouve que des arbres, c'est très très beau. Et qu'il y a un paysage où il n'y a pas d'arbres, pour moi, c'est assez désolé, c'est triste. J'aime bien quand il y a plein de vie, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui vont aller avec, dont les oiseaux. Pourquoi j'en ai mis alors? Justement pour régulation de l'humidité, enfin de l'hygrométrie dans les champs, du vent, bloquer le vent, parce que maintenant, je me retrouve avec quelques parcelles où les arbres ont été coupés. Et je m'aperçois que ben, les animaux que je mets dedans n'ont pas d'ombre, ça sèche beaucoup plus, ils ne sont pas confortables du tout. Maintenant, il faut que ça ait le temps de repousser, mais je veux prendre les devants parce qu'on a pas mal de vieux arbres. Et ben, je me dis qu'il est grand temps de leur mettre des petits jeunes en face pour que quand eux capotent, et ben, on ait la relève. Voilà. C'est juste pour faire un milieu habitable pour tout le monde. Et dans l'idée, il faut beaucoup d'ombre. S'il n'y en a qu'un petit peu, admettons qu'il y ait un champ avec un seul arbre, les animaux vont être sous cet arbre, mais comme ils vont être concentrés, on va avoir beaucoup de déjections, beaucoup de bouches, beaucoup de temps, et en fin de compte, un trop petit point d'ombre, ça fait que ben, les animaux sont bouffés par les insectes. Donc il faut vraiment beaucoup d'ombre pour qu'ils puissent choisir et puis étaler les problèmes. Et en fait, maintenant, je me dis, mais les prochaines haies, ça va être des haies qu'on va laisser faire, quoi. Effectivement, je vais jeter des glands et des châtaignes et des noix au pied des clôtures et puis on va arrêter de broyer, quoi. Et ça sera facile à faire, ça, parce que c'est juste arrêter une action de destruction, c'est tout. Thank you.